Pendant que dans le Conseil de sécurité, représentant secrétaire général de l'ONU en Haïti, Madame Hélène Lalim, ensemble avec représentant gouvernement haïtien, continue à insister pour que une force intervention rentre en Haïti pour aider à résoudre le problème de sécurité. Dans le temps haïtien qui vit dans le quartier Queens, New York, l'opinion est dépamant. En garde, Jérôme dit lui-même, il n'est pas d'accord. Libre mon sensation de déjà vu. Je pense, par exemple, à la mission des Nations Unies, le ministère en Haïti. À chaque année, en octobre, il renouvelle le mandat ministre, le volume de sécurité a augmenté. C'est justement ce qui a passé là, l'entrée dans le cadre d'un agenda. L'entrée dans le cadre d'un programme. On a regardé mardi qui s'est passé là, nous avons 4 policiers mourus dans Pétionville. Et hier, 25 janvier, 6 personnes dans Gonaïve, est-ce qu'on peut dire mieux parler, moi, m'abdou, oui. Il est entré dans le cadre d'un agenda parce qu'il faut que vous montre que la situation est chaotique en Haïti. Il fait Haïti tourner en entité chaotique ingouvernable pour montrer raison qui gagne pour en force entrer. Mais mes amis, entre nous, on a parlé de la première puissance économique mondiale. Et pas seulement sur le plan économique, mais puissance militaire. Vous pensez arrière-cour Haïti que États-Unis est. États-Unis c'est arrière-cour Haïti. Vous pensez que c'est tout bon vrai. Américain, tu as une intention de régler le problème de sécurité en Haïti pour la régler. Si c'est pourquoi, peu bandit, bon, je ne vais pas briser, moi. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui a prouvé. Ah bon, qui soit pensé que force d'intervention pour le faire? Bon, il va régler les affaires. Oh. Parce que il y a besoin en Haïti parce que ce n'est pas sans raison qu'il y a pu retirer tout le peuple. On, au lieu pour le pays. Alors, si on a fait un bail pour Haïti, par exemple, il y a besoin de sécurité aller en bas. Mais c'est pas ça qu'a fait. Il a pu retirer tout le peuple à l'étranger. Donc, ouais, ça sent le bail après les manches. Mais on n'est pas d'accord avec les fausses interventions. Et pour qui sont pas d'accord? C'est pas pour aller régler. Si tu as le bail bandit, il va y avoir une fausse intervention, non? Quelques policiers américains qui sont allés, qui des bandits, deux ou trois mouvements, sans fausse intervention. Pour moi-même, la force de doit rentrer déjà. Parce que nous avons trois petits familles, amis qui ont péri, qui ont mouru mal. Et ceci, ils n'ont pas gagné support. D'abord, on a une police qui est vraiment, on dit une police qui est tout uni. Une police qui seulement a une uniforme seulement. A deux, trois petits grains d'âmes qui sont dans bandits même avec gros âmes fan fois dans les et nous avons une cartouche, pas doum, pas sac, pas bokit. Impossible. Et nous-mêmes qui dans diaspora tout pour nous ta descendre albéen al petit plaisir nous dans la caille nous parce que la caille c'est la caille nous pas arrêter de yo regardez moi même pour le travail non Freddy d'abord dans Freddy dans store toute bagaille m'ta remet al petit soleil là dans pays mais bandi mettez nous dehors question force d'intervention ça qui t'a supposé rentrer en Haïti pour aider kwapé en sécurité a rete yon débat dans mitan communauté haïtienne pour VOA créole depuis New York Valerio Saint-Louis.